Wow! Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce baron. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, ça parle de beauté, la beauté des gens, la beauté des femmes. Ouais. Il y a des poissons ici qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voit. On voit où? À la télévision. Ah! Oh, mais je suis un poisson avec un lèvre, tout gros lèvre comme ça, comme Bukayeli autant, où elle faisait des lèvres, elle mettait des. Elle faisait des injections pour avoir des lèvres énormissimes. Je dis, mais tiens, ça ressemble. Hein? Et ce que nous allons vous montrer là sur le camp, ça va encore vous dépasser parce que j'ai vu un autre poisson avec des lèvres rouges. Ça y est, juste sa bouche là, c'est rouge, rouge, rouge. Même. Et quand vous avez ça, vous avez l'impression que là, les gens copiés sur lui pour venir nous inventer des choses ici. Et c'est ce que les femmes aujourd'hui mettent sur elles. Et à la fin, je vais vous montrer un homme qui va nous dire que sa petite gueule le trompe. Il va nous montrer pourquoi sa petite gueule le trompe. Vous allez même surpris parce que vous allez le voir. Ha! Âme sensible! Là, vous allez abstenir parce que ici, nous sommes sur une astroborne. Et ici, c'est chaud. En loin. Prévoir d'être assez water. Parce que ça, wouh! C'est du jamais vu. Oh, depuis quand ce poison a-t-il eu des lèvres rouges? Sérieux? Mais qu'elle est positionnée des rouges à lèvres sur ses lèvres? Mais dit-on? Et regardez bien. Quelle est la différence entre ce poison et la jolie fille qui se trouve à l'écran? Tiens, la violence elle est jolie, oh. Ah, mais ne vous fiez pas aux apparences. Il y a eu maquillage, ça peut me tromper aussi. Mais regardez, le poisson ici a des lèvres rouges, comme de ce monsieur rouge. Et les gens parlent de la beauté d'aujourd'hui. Les gens disent que ça vient du monde sous-marin, genre les sirènes fabriquent des usines. Et dans ces usines se trouvent des choses de beauté que les femmes mettent sur elles, afin qu'elles puissent les posséder. Ouais, sont les démons des eaux qui poussait des femmes ici par la beauté. Donc, leur beauté n'est pas en réalité leur beauté, mais c'est la beauté des sirènes. Elles sont juste revêtues de la clarté, la splendeur du démon. Ça, c'est du fake. Ça, c'est du fake. Chi, 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 chi. Mais regardez vous-même. Est-ce que vous voyez quelque chose? Vraiment... Je pense que les femmes vont me détester. Hein? Est-ce que vous voyez ça? Regardez vous-même. Quelle est la différence? Et si les gens avaient copié sur le poisson pour venir fabriquer des rouges à lèvres, que diriez-vous? En fait, des rouges à lèvres, c'est un truc de ouf. Vraiment, ce que vous allez voir, vraiment, va me confirmer tout ce que je souhaite de vous dire. Déjà, commençons par le commencement. Hein. Commençons par le commencement. Regardez cette jeune fille. Regardez. Elle est très belle. Elle est vraiment très belle. Elle est plus belle que belle. Mais est-ce que c'est une beauté naturelle? Non. On a dit qu'elle a utilisé beaucoup de choses afin de transformer sa beauté naturelle en quelque chose d'autre. Vous voyez, non? On voit les rouges à lèvres. On voit des choses sur son visage, sur ses yeux et tout ça. Bon. Et en même temps, on regarde le poisson. Un poisson vraiment étrange. Très étrange. Mais le poisson a des lèvres sérieusement rouges. Quel est le poisson des rouges à lèvres sur ses lèvres? Moi, je ne comprends pas. Hein? Qui? Poisson, lèvres rouges, c'est comment? Le poisson a des lèvres rouges. Attends, est-ce que mes lèvres rouges posent? Si. Et beaucoup de personnes pensent que la plupart des choses que nous voyons sur les femmes aujourd'hui, comme les trucs de beauté, ça vient du monde des sirènes. Ou bien non, du monde des sirènes. Et le poisson ne laisse pas l'affaire. Il nous montre que ses lèvres sont rouges. Il se passe de la blague. Hein? 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 Maintenant que je vous parlais, je prends le poisson avec des lèvres énormissimes. Regardez à quoi ça ressemble. Regardez les lèvres du poisson.
Maintenant, vous allez croire, hein, aux gens qui vous disent que souvent, la beauté qu'on, les produits de beauté qu'on voit viennent du monde des ténèbres, du monde des sirènes. Maintenant, moi-même, je commence à croire. Hein. Quand je vois ça, la mélodie, quelle coïncidence quand même. Hein. Regardez, le poisson a des lèvres rouges. Des lèvres carrément. Non, c'est pas des lèvres rouges, mais des lèvres. C'est énormissime. Comme si il lui avait fait des injections. N'est-ce pas ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui? Les filles qui ont des petits lèvres, elles ont des lèvres énormissimes, elles vont se faire des injections. Et regardez à quoi ça ressemble. Souvent, les démons poussent certaines personnes à faire des choses même bizarres qu'elles n'arrivent pas à expliquer. Vous voyez, ce poisson ne rigole pas, non. Il a décidément des lèvres rouges. Et n'a pas, non, pas des lèvres rouges, mais des lèvres énormissimes. Des lèvres géantes. Qui? Waouh, la fille est belle. Regardez ses rouges à lèvres. Regardez comme elle est jolie, maquillée. Est-ce qu'elle peut se présenter à nous sans maquillage? Elle m'a dit non, c'est pas possible. Elle m'a dit non, c'est pas possible. Laissez-moi tranquille, je ne peux pas le faire. Mais pourquoi? Pourquoi elle seule tient le secret? Les filles d'aujourd'hui ne veulent pas se montrer sans maquillage. On lui dit qu'aujourd'hui, elle a fait des sirènes derrière le maquillage. Une affaire de démons sérieux. Est-ce que c'est vrai? Commencez à faire vos recherches. Nous, nous sommes chercheurs dans le pays là. Regardez ça. Les filles là veulent avoir des lèvres énormissimes. Sans savoir qu'il y a un poisson ici qui ne rigole pas à nous. Ce poisson a des lèvres géantes. Des lèvres sans pareil. Et regardez le poisson. Regardez le poisson. Hein. Oui, le poisson, ses lèvres. Chi, 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 chi. Ça, c'est comme lèvres bochop. Regardez ça. Chi! Waouh, la fille d'aujourd'hui, la tête. Qui va embrasser cette histoire? Ça te donne des bisous, ça va être chaud, hein? Moi, j'ai jamais vu ça, hein? Regardez-moi, regardez, chi, 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 la fille aujourd'hui. Ah! Tu dis que tu veux te rendre belle, tu veux te rendre jolie. Mais qu'est-ce qui n'est pas à toi? Tu as fait ta coiffure, ça cache un œil. Toi-même, tu sais que ça c'est chaud, mais tu es dedans. Tout ce que vous êtes en train de faire, si vous faites cela, puis ça crée vos problèmes. Ça vous crée des problèmes, arrêtez. Par exemple, ici, là, regardez. Elle fait la coiffure, ça lui cache ses yeux. À chaque fois, elle enlève ses cheveux, hein. Ses mèches, même. C'est pas ses cheveux, ses mèches. À chaque fois, elle enlève ses mèches. Elle met ça à gauche, ça revient encore. Elle met ça à gauche, ça revient encore. Ah! Tu es en train de souffrir. La beauté d'aujourd'hui, là, c'est fait pour souffrir. En fait, faire souffrir les femmes d'aujourd'hui. Les femmes d'aujourd'hui souffrent. Hein. Ça, c'est la souffrance. Ces lèvres sont devenues énormes. Ici, elle se dit, mais ah, qu'est-ce qu'on va pas qu'est-ce qu'il a? Je veux ressembler à Kylie, non? Mais pourquoi est-ce que mes lèvres sont devenues comme ça? Hé, hey, Kylie, est-ce que tu m'as trompé? Dis-moi la vérité. Ça, là, c'est un problème sérieux. En tout cas, il y a un poisson ici. Ce poisson dit que c'est lui qui est censé avoir des lèvres énormissimes comme ça. Si ce n'est pas naturel pour vous et que vous allez mettre des trucs bizarres dans vos lèvres, c'est que vous copiez le poisson. Le poisson aux lèvres géantes. Regardez les lèvres de la fille. Tout le monde a vu, ont vu, tous les gens ont vu les lèvres de la fille là. Les gens disent, hey, c'est joli, il faut qu'on copie la même chose. On va voir des lèvres comme ça aussi. Hey, des lèvres comme ça. Oh. Des lèvres comment? Comment? Comme ça. Oh, où est-ce que tu vas, mon ami? Des lèvres comme ça. Vous avez vu ça? Regardez les lèvres de la petite. Jésus. Elle veut avoir des lèvres comme ça, jolies, jolies, balèzes, comme pour les stars, les célébrités. Maintenant, les célébrités sont des lèvres modèles. Les gens veulent ressembler aux célébrités sans savoir ce qu'il y a dedans. Vous ne savez pas les conséquences qu'il y a dedans. Vous ne savez pas si ces gens-là dorment la nuit. Vous ne savez pas comment ces gens font pour dormir la nuit avec les plastiques passés par là dans leur corps. On dit, oh, la chirurgie, c'est quand c'est pas les pneus partout dans le corps. Tiens, est-ce que tu peux bien dormir? Avec un puni. Est-ce que toi, mon frère, dis-moi, ma soeur, dis mon frère la vérité. Est-ce que toi, tu peux dormir sur un puni? Est-ce que tu as déjà fait l'expérience de dormir sur des punis? Non, moi, j'ai déjà fait l'expérience, c'est pas confortable. Hein. C'est pas confortable. Hein. Et puis, tu mets les punis dans ton corps. Bon, ils appellent ça les implants, les jeux comme ça. Souvent, ils ont changé des stratégies. Ils enlèvent de la graisse quelque part dans votre corps pour ajouter de l'autre côté là-bas. Est-ce que ça marche? Moi, je ne sais pas. La plupart des gens disent que, oh, si vous le faites, que vous sentez bien de repos, c'est l'essentiel.
Blaguez-vous. Blaguez-vous vous-même. Dieu t'a créé de façon. Dieu t'a créé mince. Toi, tu dis, tu es devenu en forme. Dieu t'a créé en forme. Toi, tu dis que tu es une mince. À cause des gens, ce que les gens disent. T'élèves la son, petit, là, ça ne te plaît pas. Toi, tu dis, non, c'est pas possible. Il faut que je recommence. Regardez le problème maintenant. Voici à faire. Voici à faire. Et comment tes lèvres sont devenues allergies. Allergies. Les gens d'aujourd'hui, ils ressemblent aux filles jolies, jolies qu'on voit sur les réseaux sociaux. On se dit qu'elles sont des fans, elles ont des supporters, elles ont des gens pour les encourager, elles ont des gens pour les soutenir, elles ont des gens pour être avec elles, elles ont des gens aux côtés d'elles, où elles sont aimées, où elles sont appréciées, mais à quel prix? Quel est le prix de la beauté aujourd'hui? Quel est le prix? Jésus. Maintenant, soyez prêts, je vais vous montrer un truc. Un truc très simple, mais puissant. Un gars, lui, il veut vraiment nous montrer que sa femme le trompe. Mais d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre. Est-ce que c'est vrai? Regardez ça. Où est-ce que tu vois, mon ami? Regardez ça. Où est la fille là? Elle est là. Elle est ici. Et regardez bien ses cheveux. Le monsieur a dit, il a dit qu'il ne va pas chez cette fille là. Elle nous cache quelque chose. Il a décidé de prendre quelques fils pour mettre là dans ses cheveux pour essayer de tirer. Voici à quelque chose qui ne va pas. Regardez, la nouvelle super chérie de nos petits go. Nos petits go du quartier. Regardez la nouvelle super chérie. Regardez comment elles font pour nous blaguer. Regardez, boum! Le gars il a dit, oh! Et regardez la différence. Regardez la différence, il a mis son gré d'ailleurs. Tiens! Ah! Donc c'est ça. Mais attends. Moi que je gagne, je ne vois pas le problème. Quel est le problème là avec ses propres cheveux? Ou bien, ses cheveux sont propres, non? Ou bien, regardez. Regardez bien ses cheveux, quel est le problème? Mais quelle va être sa réaction? Regardez. Sa première réaction est touche en même temps ses cheveux. C'est comme si son Dieu venait de tomber. Eh, Seigneur Jésus, au Dieu, vos riches élèves sont de nouveaux dieux. Vos make-up sont de nouveaux dieux. Vous avez abandonné la beauté de Dieu, hein, pour vous attacher à la beauté artificielle. Alors que tout ce qui est artificiel en général vient de l'invention des serviteurs du diable. Ils ne voient pas vous, hein? Ils sont mauvais, hein? Vous êtes manchants. Non. Et regardez ça. Regardez, hein? Elle attache sa tête. Elle attache sa tête. Oui, c'est pas possible. Il a enlevé mes cheveux. Il veut me tuer. Il veut me mettre dehors. Il veut m'occuper dehors. Affaire des femmes aujourd'hui. Et le gars dit non, c'est pas possible. Il faut que je montre la vérité. Vous qui dites la vérité. Ma femme me trompe. Avec quelqu'un. Quelqu'un qui s'est tout sa tête. Regardez. Regardez. Hein? Regardez comment. Regardez la réaction de la go. Regardez la réaction de la petite. Hein? Il dit, je le savais! Je le savais! Regardez, oh, ce n'est pas là! Oh, ce n'est pas là! Et je le savais! Je savais que tu me trompais! Tu me trompais! C'est comme un gars! Lui, là, depuis qu'il est avec la fille, il n'a jamais vu son maquillage! Maintenant, je lui ai dit, ah! Cette fille-là! Comme je la vois jamais sans maquillage, attends, un bon jour qu'elle va être dans un sommet profond. Hein? Je vais lui montrer quelque chose qu'elle n'a jamais vu de sa vie. On va enlever le maquillage là pour voir ce qu'il y a derrière. Et ce jour, il se lève. La nuit, au moins tôt. Comme elle a l'habitude de se lever le premier le matin. Hein? Donc lui, il va faire tout pour que la nuit, il va voir clair dessus. Son visage. Celle-là maintenant va commencer à prendre un truc, hein, le dessus ou quelque chose du genre, pour arriver à la, pour commencer à la démaquiller, ouais, aller le maquillage, pour voir clair dedans. Maintenant, elle a le maquillage. Il dit, hein? Je vais divorcer. Je vais divorcer. Elle dit, mais pourquoi je vais divorcer? Elle m'a menti. Elle commence à mentir. J'ai dit, elle m'a menti. Je n'ai pas menti, mais elle a menti. C'est elle ou moi. Elle m'a menti. Elle m'a blagué. Hey! Elle m'a trompé. Comme le gars qui est ici. Regardez le gars. Il dit, oh, elle m'a trompé. Oh, regardez.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Boum. Elle m'a trompé. Hein? Je le savais. Tu m'as trompé. Tu me trompes. Je le savais. Et regardez les gens qui sont au fond là-bas. Regardez les gens qui sont au fond là-bas. Les gens qui sont au fond là-bas. Vous la voyez, non? Regardez-les, regardez-les. Regardez-les. Ils attrapent leur bouche. Ils disent. Tant qu'elle trompe son mari. Vraiment, c'est grave. C'est triste. C'est vraiment triste, ce monsieur triste, quoi. C'est grave, je suis grave. J'ai du mal à y croire. Les filles d'aujourd'hui, vraiment. Nous sommes dessus. Il faudrait que vous dites la vérité. Nous sommes dessus. C'est vraiment terrible, hein, de voir ces choses. Comment les filles d'aujourd'hui sont attachées à des choses vraiment artificielles. C'est comme un gars, hein, il est là à insulter sa servante. Sa femme dit pourquoi? Il dit un. Je lui demande de préparer. Il dit tu ne veux pas préparer. Tout ce que tu sais, c'est de mettre la maquillage sur ton visage. Et faire tes ongles. Au lieu d'apprendre à préparer, toi, tu vas faire tes ongles. Maintenant, j'ai insulté la servante. Parce que tu prends des pilules. Tu dis que toi, tu es la gauche choco, tu ne veux pas tomber enceinte. Parce que si tu tombes enceinte tout de suite, ton corps va se déformer en ligne bizarre. Et puis, tes affaires, tes business, tout ça. Donc, j'ai accepté la servante. Tiens, il m'a trouvé une justification. Et puis, il dit numéro 3. Tes fesses que tu balances par ci et par là, là. Tout ça, c'est faux. C'est du faux. Il dit ah. Il est quand même dit chi. Oh! Qu'est-ce qu'il a dit à la fille là? Non, c'est du faux! Tout l'autre sur la fille, sur la fille, la chose qu'on a regardé comme ça, c'était du montage. Alors, c'était un film. Non, c'était pas un film. C'était réel. Et les filles d'aujourd'hui. Les filles, les mamans ne peuvent pas les attraper. Qu'est-ce que vous les dites même? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Déjà pour commencer. À 14 ans, déjà, la fille se retrouve quelque part là-bas de faire un sujet. J'ai dit, elle va avoir des coups lolo. Des coups lolo. À qui veux-tu ressembler? On y a un démon dans les eaux là-bas qui s'appelle Sirène. Ce démon-là, lui, c'est lui qui s'occupe de la beauté des gens. Et toutes les filles qui sont en train de se maquillé matin, midi et soir. Là. Elles sont en train de servir le démon là inconsciemment. Est-ce que c'est vrai? Mais quand on voit ce que nous voyons et que je viens de vous montrer là même, ça, il y a de quoi, hein, à se poser de vraies questions pour avoir de vraies réponses. Qu'en pensez-vous? Où vous voulez que je vous montre ça encore? Où est-ce que vous voulez voir son corps? Est-ce que vous êtes jeune pour voir ça encore? Mais regardez vous-même. Regardez. Why the difference? Où est la différence? Why the difference? Où est la différence? Vraiment, moi je ne sais pas si je vais permettre à mes filles de se maquiller. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour avoir des filles. Parce que moi aussi j'ai des filles. C'est des enfants et puis ce sont des filles. Mes filles vont témoigner. On va avoir un témoignage. Parce que je serai dur, hein? Comme du Kutuku. Vous connaissez le Kutuku? Vous ne connaissez pas le Kutuku, ouais. Le coup, vous ne connaissez pas ça, ouais. N'allez pas chercher, vous là. N'allez pas chercher. Hé! Hey! Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez ce que les gens sont de dire, que la beauté de ces filles-là, c'est la plupart du temps du monde des eaux, le monde des démons, le monde des sirènes? Vraiment, c'est une chose incroyable. Mais quand on voit le poisson là même qu'elle a là, on se dit tiens, ça peut être vrai, hein? Nous devons faire attention. C'est pas tout ce que les gens nous présentent à la télévision et tout ça qui est bon pour eux, qui est bon pour nous. Quel esprit c'est tout de ce qu'on utilise? Aujourd'hui quand il y a un portable, qu'est-ce qu'on dit? Les gens disent que oh, est-ce que vous savez que vous êtes sur écoute et qu'il y a des gens qui sont cachés capables de d'écouter tout le monde et ils vous écoutent tous, hein? Vous êtes tous contrôlés en plus de ça. Il y a des puces téléportables, les GPS. On peut vous localiser partout où vous êtes. On veut savoir votre position. Les gens ont créé des trucs, hein,
Et puis nous, on fait croire que c'est pour nous amuser. Oh, c'est pour les selfies, les vraies photos. Les photos, les jolies. Oh. Tchaké, en dessous, hein. Ils veulent nous manipuler. Quoi? C'est vrai? Donc, vous créez des trucs. Et puis, vous avez des mauvaises idées derrière, des mauvaises intentions derrière. Alors que nous, on est là, on dit qu'on s'amuse, on dit qu'on est choquant. Hey, regardez-moi ici, choquant. Regardez-moi ici, c'est beau, non? Ouais, regarde-moi ici, belle. Je suis belle, non? Regarde tes blagues. Mais t'es pas au courant. Et les gens qui ont compris ça, eux, là, ils ne sont pas dans les histoires de groupes potables. Ils sont des petits potables, de potables même qui touchent juste le réseau, hein, c'est tout. Hein. Et ils se cachent quelque part là-bas en disant, je ne veux pas que les gens sachent où je suis. Pas qu'ils savent où est-ce que c'est aujourd'hui. Ils veulent nous contrôler. Ils veulent nous contrôler déjà. Bon. En tout cas, c'est pour réveiller votre esprit. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions. Peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo aussi. Tout une autre. Non, c'est bon. C'est incroyable, mais vrai. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez prêts pour le Seigneur. C'est parti.